Thank you.
Que le Seigneur Jésus-Christ te soit béni. J'ai dit que le Seigneur Jésus-Christ te soit béni. Pour la grâce qu'il nous a accordée encore ce matin. Vraiment, tu es un homme heureux. Parce que le Seigneur a permis que tu puisses t'approcher de lui. C'est pourquoi il faut toujours être dans la joie. Nous acclamons encore l'honneur. Nous ne méritons rien, bien-aimé. Nous ne méritons rien. C'est tout ce que nous avons, c'est le Seigneur qui nous donne. Que ce soit l'être, la respiration, la vie, le mouvement, tout vient du Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous devons toujours lui être reconnaissant. Toujours l'acclamer parce que c'est lui qui nous a donné le mouvement. Parce que c'est lui le véritable Dieu. Et le Dieu d'amour. Il a compté aujourd'hui parmi les vivants. C'est pourquoi il faut toujours lui être reconnaissant. Il t'a donné aussi ce moment d'écouter sa parole. Parce que l'homme ne vivra pas seulement des pains, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que son nom soit béni. Amen. Nous allons nous lever pour la lecture. Et que les chantres se préparent déjà, on va chanter ensemble les cantiques « Il m'a sorti de la boue d'argile ». Et que baillé du pied dans un bon moment pour la boue, et le bon abysse est abîmé, si n'a pas ma tête, n'a ma belle, il y a pour toi, toi. Et nous allons combiner avec les chants bientôt dans la douceur. Pétoko bakisaloye mbobo yo kalamite tozoko tanakat na kimia. Amen. Amen. 2 Pierre chapitre 1. On lisons le verset 5 jusqu'au verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. La charité. Nous prenons Jacques chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 19. Nous lisons toujours au nom de Jésus-Christ. Sachez-le. Mes frères bien-aimés, ainsi, bongo, que tout homme soit prompt à écouter, l'homme à parler, l'homme à se mettre en colère, à la peine à car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ouais, quand on a zambé, et
Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons lire le livre des Proverbes. Tokotanga mokanda ya masese. Nous allons lire le livre des Proverbes. Tokotanga buku ya masese. Proverbes chapitre 16. Masese mokapunango ya zone na motoba. Le verset 32. Molongo na tukumi sato na mibale. Celui qui est lent à la colère. Moto oyo asilikaka noki noki te. Vaut mieux qu'un héros. Aleki malamu koleka elombe. Et celui qui est maître de lui-même. Pe moto oya yebi na komi kanga. Que celui qui prend des villes. Aleki oyo adana kopoto la bigumba. Nous prenons encore Proverbe chapitre 25. Tozi susu mokanda na pese mokapo tuku mibale na mitano. Le verset 8. Molongo na mwambe. Ne te hâte pas d'entrer en contestation. Owele la te na kokele na kofunda. De peur qu'à la fin, na kobanga ete na suka, tu ne saches que faire. Oyeba eloko ya kozongisa to ya kosala to ya koloba te. Lorsque ton prochain t'aura outragé, tango moninga na yo akoleka na kotuka yo, koyokisa yo soni tango akoloba ete oyo lobi wana eza bongo te. Amen. Ah. Nous allons chanter les cantiques. Il m'a sorti de la boue d'argile. Tokoyemba loyembo oyo abimisinga na kati na mabele ya poto poto. Les clavieristes vont nous donner le temps. Pe otonanzenze akope sa biso penza tango tokoyemba. Tu sais les cantiques chantent avec nous. Sotoyebi loyembo oyo. Yemba elongo na biso. Si tu ne connais pas, attends lorsqu'on arrivera au refrain, tu vas chanter. Peso ki oyebi ya voté, okozela siko batuna sotu ba yambaka, oyamba po yebi elongo na biso. Mais ne reste pas silencieux. Epe na nyonso yonde tikala kimia. Ne reste pas silencieux. Kotikala kimia te. Tant les clavieristes, je vais entonner moi-même. Tous les élèves, on tourne les enseignants, on tourne la bande. Thank you.
Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau.
Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu. Mingi ba monaki yango et ont eu de la crainte. Pe baleka ki na kozala na somo toko ba. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Pe baleka ki na kotia motema nango motema na bango pe na nzambe. Heureux l'homme qui place à l'Éternel sa confiance. Et c'est bon à moto oya za na kotale la Yahweh. Et qui ne se détourne pas vers le hautain et les menteurs. Oyo azo balosa biso na tepe na bato na lolendo pe bato na lokuta. C'est ça les cantiques que nous venons de chanter. Yango nde lo yembo tuti na kolemba. Dit l'Éternel, l'avez-vous vu dans la boue? Et que Yahweh amona ke na kati na potopoto. Le Seigneur l'a vu du fond de la bible. Et que Nzambe amona ke pe na kati na boue ya bozindo. Le Seigneur l'a retiré de là. Et que Nkolo abimisi uta kuna. Et il l'a placé sur le roc. Et il a fermé ses pas afin qu'il ne puisse plus retomber. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il a mis en lui un cantique nouveau dans la bouche. Et qu'il a fait que David puisse toujours les louer à l'égard de ses. David on dit beaucoup ont vu ce que Dieu a fait. Et ils ont eu de la crainte. Et ils ont dit, nous aussi nous allons nous confier à l'Éternel. Parce qu'une telle situation devait t'éliminer. Parce qu'une telle situation devait t'exterminer, t'es étranger. Mais il y a quelqu'un qui t'a fait sortir de là. Cela veut dire que cet homme-là est puissant. Alors quand les gens ont vu ça, ils ont dit, nous aussi nous allons nous confier en celui qui t'a sauvé. Et c'est ça les cantiques, frère. Et beaucoup croiront au Seigneur Jésus. Et bien, il va condamner encore Jésus Christ à cause de ce qu'il fera dans ta vie. Ah, pour la tine, la matabo, pour ça, la matabo, il faut toujours le croire ainsi. Et Seigneur, il condamne ma capo. Parce que quand il opère un miracle dans la vie de quelqu'un, oui, les autres restent dans la terreur. Pour se confier en l'Éternel Dieu. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur les choses conformes à la sainte doctrine. Et nous croyons que c'est le Seigneur qui nous fait marcher dans cet enseignement. Amen. C'est pourquoi je vous prierai de bien prêter attention. Parce que nous croyons que la parole que nous écoutons, c'est vraiment la nourriture au temps convenable. La Bible dit ceci. Le royaume des cieux est semblable à du grain qui a été jeté en terre. On dit ceci. Celui qui l'a jeté, qu'il dorme, ou qu'il vienne veiller sur la sémence, cette sémence-là va germer et croître sans que lui-même ne sache comment. Amen. Nous nous sémons, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est ce que le frère Paul disait. On dit que les grains vont produire l'herbe. Après ça va produire l'épi. Et après ça va produire toutes ces choses-là. Et on à l'intérieur et puis ça va mûrir. Et puis viendra le temps de la moisson. Mais celui qui sème,
Il ne saura comment est-ce que toutes ces choses-là se passent. C'est pourquoi nous nous prêchons la parole. Mais celui qui travaille en vous, c'est le Seigneur lui-même. C'est lui-même qui va vous donner la force. C'est lui qui va vous donner les bonnes œuvres. C'est lui qui va vous donner les vêtements de fête. Parce que vous ne pouvez pas entrer dans les noces de l'agneau sans avoir les vêtements de fête. Autrement, vous serez jeté dans les ténèbres. Si vous manquez les vêtements, vous serez jeté dans les ténèbres du dehors. Alors le Seigneur est tellement bon. Le Seigneur est tellement fidèle qu'il vous fera parvenir à la capacité de mettre en pratique sa parole. Il faut toujours être certain de Dieu. Toi, ton problème, c'est seulement t'approcher de Dieu. Je t'avais dit ce jour-là, si tu veux devenir comme Jésus, il faut t'approcher de Jésus. Il a la capacité d'influencer la vie de quelqu'un. Donc de lui donner sa forme à lui. Vous savez, si tu t'approches trop de quelqu'un, et qu'il est pour toi un maître, commence aussi à parler comme lui. Surtout si tu l'aimes beaucoup, commencer à parler comme lui. Tu auras aussi ses accents. Parfois même ta démarche va commencer à changer. Ça, c'est le mystère de Dieu dans la nature. C'est comme ça aussi avec Jésus-Christ. Si tu t'approches de lui, tu as l'habitude de toujours t'approcher de lui. Tu vas remarquer que tu commences à changer de nature. Tu commences à devenir un autre homme. Comme un frère a chanté. Amen. Ça ne se fait pas comme ça, frère. C'est fait lorsqu'on s'approche du Seigneur. Il a la capacité d'influencer les vies des gens. C'est pourquoi on dit, nous tous qui, les visages découverts, les visages découverts, regardons comme dans un miroir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. On dit, et nous sommes transformés à la même image. C'est ça le mystère dans ces choses, frère. Il suffit pour toi de n'avoir plus les voiles sur le visage et de regarder constamment sur le visage du miroir. Et tu es transformé en cette image. L'image dans le miroir, c'est Jésus-Christ. Et le miroir, c'est la parole de Dieu. Comme je me souviens, prêtre
catholique na télévision. Les musiciens sont des enfants de Dieu. Alors bien des balangas de boyamokili basa bana nzambe. Non, il y a un chemin que Dieu a tracé. Regardez constamment l'image du miroir. Et de côté la tango nyonso elongi ya kitala tala. Et regardez. Et na côté la ba ya. C'est écouter la parole. Et dans des boyamba yoba nzambe. Et sera transformé à la même parole. Et au kobong wana na liloba moko wana. Sans cet exercice là. Kozanga ngala sisi wana, il n'y a pas de salut. L'opiko ezalite. Salut pour toi. Tu dois t'exercer à écouter la parole de Dieu. Tu n'as pas un autre temps, frère. Je t'exhorte. Avec beaucoup d'amour dans le cœur. Après ce temps ici, tu n'as pas un autre temps. Il ne faut pas espérer. Mais on dit que ma moi si Moseka Soba. Hein? Moseka Elema. Hein? Toi tu ne connais pas les vierges folles. Yo yebi Moseka Elema te. Et t'as dit que si tu rates l'enlèvement, tu seras vierge folle. Et ben nama yebi souhaite. Ça qui est au niveau de toi comme Moseka Elema. Mais c'est pourquoi tu dois persévérer. Ayamwe Seigneuri Oyi Kampiko. Participant des noces de l'agneau. Faut toujours penser au Seigneur. Et Seigneur, la vie soit toujours attachée à Dieu. Comme des péchés en secret. Tu connais là où tu pêches et personne ne te voit. Dieu ne veut pas encore que personne ne te voit. Ce n'est pas que Dieu ne te voit pas. Ce n'est pas venu non plus qui n'a pas la capacité de te dévoiler devant les gens. Non. Mais il est patient. Il veut que tu te répandes. Il veut que tu fasses marche en arrière par rapport à cette vie-là. C'est le but de l'enseignement. C'est ce que nous poursuivons dans tout ce que nous faisons ici. Donc ne te trompe pas, frère. Le but même de la connaissance que nous avons, c'est pour que tu sois une offrande agréable à Dieu. Dieu t'a dit, il ne faut pas mettre des mèches, ne mets pas des mèches, sœur. Dieu t'a dit, ne mets pas des bijoux, c'est pour ton bien. On n'est pas contre toi. Amen. Amen. Dieu lui-même, il a appelé tes cheveux voile, voile. Et que Abengi Souki et l'ambaya pour aussi pika moutou. Non, non, vous, hein, voilà, voilà. Kosi pa konfo na yo. Dans le sens de gloire. Et na lolenge yan kembo. Il a appelé tes cheveux gloire. Abengi Souki na yon kembo. Mais comment tu vas ajouter encore les mèches pour couvrir la gloire? Tu dois être fier de ta gloire. Dieu, le Dieu, le créateur de toutes choses, il a appelé tes cheveux gloire. Mais il faut être fier de tes cheveux. Tout ça, c'est pour ton bien. On ne veut pas te dire, on ne veut pas te cajoler. Non, on n'a pas de temps. On n'a pas ce temps. Parce que le temps n'est plus. Le temps les a ressuscité. On parlait avec un frère. On m'a dit c'est comme si nous sommes à la plaine de Moab. Et que alors que la plaine de Moab. Ça m'avait fait réfléchir. Et puis il y a une parce que les plaines d'Itando, les plaines de Moab là. Et que d'Itando, Moab, c'était les derniers campements de la marche des enfants du
d'Israël. Et là qui copère yasuka yakotamboli ya Israël. C'est là-bas qu'on avait trouvé les impudicités. On a des sika bakuta ki indumba. C'est là-bas qui était apparu les faux prophètes Balaam. On a des sika mosakoli ya lokuta atombwa maki Balaam. C'est là-bas qu'une plaie dure avait éclaté. On a des sika peda mabe atombwa maki makai. Et d'aller na bopem yasuka. Le dernier virage. Et de bopalbi yasuka. Amen. Alors tu dois fournir des efforts. Et Seigneur, ça la maca, Seigneur. Le monde n'est pas notre ami. Moi qui les ai, mon lingua la bisoté. Tout ce qu'ils font là. N'yanzo bato salawana. Ce n'est pas pour ton bien. Et d'aller pour la bonne mon aote. Mais Satan ne viendra pas ouvertement comme ça avec quelque chose pour. Dire que ça c'est bien. Non! Ah, ça c'est un apoya, ma mon côté, mais l'autre mot qui tombe. Ça c'est pour faire pardon. Ou un des amis m'a paix. Non, 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 non. Non. Hey. Il va venir toujours avec l'aspect de quelque chose qui est bon. Apoya, là, na l'autre mot pour les autres, la qui s'aloko les a malades. Mais à l'intérieur là. Kasi, na kat na yango. C'est la distraction. Et à l'inde au peuple. C'est pourquoi nous parlons sur la tempérance. Yango, toto le belanatina ya komi kanga. Amen. Ah. On avait déjà parlé de ça le mardi. Tosi tolobela ki yango mokolo ya mibale eleki. Le mardi on a parlé sur la tempérance. Mokolo ya mibale eleki tolobela ki na oetali komikanga. On avait dit que la tempérance c'est ça vient du verbe en français tempérer. Et toloba ki ete komikanga euti na verbe ya français ezali komikanga beta. Modéré. C'est l'une des choses qu'on nous recommande d'avoir ou d'ajouter à la foi. Amen. C'est l'une des choses qu'on nous demande d'ajouter à la foi. Et ça, moko na eloko bazo senga na biso to bakisa likolo na kondima na biso. On doit avoir la tempérance. Pour nani le Seigneur il doit avoir la komikanga. Parce que j'avais dit ceci. Pwete na lobaki boy. Les problèmes ont tendance à nous amener au péché. Et que makambo etalaka na momesano ya komina biso na kati na bisu. Parce que toutes ces choses là qu'on nous dit d'ajouter. Pwete biloko nyonso baolo bana biso to bakisa. C'est toujours dans les buts de fuir la corruption. Et cela veut dire si tu as la tempérance. Il y a des formes de corruption qui entrent par manque de tempérance, n'interrompent pas dans ta vie. Ouais, t'es dans la langue, y a ma commission, y a ma belle à copola. Ouais, côté ça, nous sommes dans une komikanga au coléta na ko. C'est pourquoi on nous dit d'avoir la tempérance. Ango, bonjour le Seigneur, nous sommes na komikanga. Amen. Ah. J'avais dit beaucoup plus, cela vient par la colère. Et que na loba ki ango ya ka mingi mingi na kanda. La tempérance, en d'autres termes, on l'appelle aussi maîtrise de soi. Komikanga, na lolenge mususu, babe na moga ta kozala na komikanga. Ah, la maîtrise de soi. C'est un synonyme. Il ne faut pas même répéter. Maîtrise de soi. Komikanga. La maîtrise de soi. Komikanga. Si tu as ça, ce que vous avez na yango, tu vas t'échapper de beaucoup de péchés. Et que yoko kima na masumu ebele. J'avais dit beaucoup plus par la colère. Na loba ki koleka mingi na kanda. C'est pourquoi Jacques dit. Na ngo Jacques azoloba. Ainsi bien aimé. Na bongo balinga mi. Que tout temps. Et que moto nyonso. Soit prompt à écouter. Azala na lombango ya koyoka. C'est un problème. Ni koleka te soki ni ka momoko ezali. Prête d'abord ton oreille, écoute jusqu'à la fin. Ça va te permettre de bien comprendre et de bien répondre. Amen. Que tout homme soit prompt à écouter. L'homme a parlé. L'homme a parlé. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. La colère de l'homme n'accomplit pas
Dieu. Cela veut dire que si tu as la colère, ça va t'amener dans les péchés. En d'autres termes, tu fais comme si tu as retourné encore dans les choses du monde. C'est pourquoi celui qui a la foi, il doit s'efforcer à avoir en lui la tempérance. On dit dans les livres des proverbes, la pression et la colère produit les querelles. Donc si tu as la colère en toi, tu seras toujours dans des disputes. Et on est qu'on t'appelle cette maman, elle est une femme vertueuse. Et si tu as que maman a bizarre les malamos, ce frère là c'est vraiment un bon frère. Et que mon père est répétant de gomoko malamo. On dira que cette maman elle dispute beaucoup ici au marché. Et que ma coloma et que maman oh la soin à soin à la mine n'a pas de nazi. Ses frères, c'est pas beaucoup, ils se disputent trop avec les gens. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a la colère. Et la colère produit les disputes. La colère produit les querelles. La colère produit les querelles. J'avais dit que ce sont des choses que vous vous trouvez petites. Mais le Seigneur considère ça. Dans la vie d'un croyant, il regarde vraiment si tu es un homme de colère. Amen. Amen. Moi je crois. Si tu es un homme de colère, si tu vas chercher un prophète, le prophète va te dire, c'est les promesses de Dieu. Oui, parce que tout enfant de Dieu a des promesses. Mais il faut aussi te dire que Dieu t'a dit, il faut veiller sur la colère dans ta vie. Moi je n'ai pas de prophétie qui ne fait qu'adulter les gens. Moi je n'ai pas de prophétie qui ne fait qu'adulter les gens. Non, des prophéties seulement qui dorlotent les gens. Donc qui ne disent pas aux gens que vous êtes aussi mauvais dans ces points. Même le Saint-Esprit lui-même qui est le vrai prophète. Il disait aux églises, c'est que j'ai contre toi. Alors, tu as abandonné ton premier amour. Si tu es dans les œuvres de Nicolaïte. Amen. À d'autres endroits, il dit, je loue ta persévérance. Et que tu toi, un prophète, tu ne fais que dorloter les gens. A tel enseigne même celui qui est venu te voir, il a dit, mais Dieu n'a pas vu ma colère à moi. Ah, on a colombé même mon roi, il y a côté là, il y a un exemple, il y a ma canne à la. Amen. Ah. Parce que Dieu donne, Dieu reproche ça, pour lui c'est une grande chose. Zambia pas mais la caillango, pour naïe, Zama Kambo, il veut que tu sois un homme tempérant. Et qu'il y a des choses à la moto, il y a une acomie canne. Des proverbes. Il dit, ne te hâte pas d'entrer en contestation. En contestation avec quelqu'un. Dans d'autres versions, on dit, ne raconte pas trop vite au tribunal ce que tu as vu. On dit, de peur que la personne que tu es allé accuser là, par rapport à ce que tu as vu, que le frère Samuel se révèle. Par rapport à ce que tu as vu, on dit qu'il vienne et qu'il puisse raconter une autre version. Et puis tu seras dans la honte. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le manque de tempérance. On n'a pas voulu connaître ce qui s'était réellement passé.
pas connaître ce que tu veux réellement parce que directement en voyant. Yo olingi oye bate makambo ndenge esalamaki kaka omoni mbala moko okie kofunda okie koloba obie te ntango ye akoya eke soki ezali oyo ye omonaki te wana nde okozala na soni yango nalobaki eke bamemi sango. Les rapporteurs, j'avais dit, bah, même Isamo Songi Songi. Il faut ajouter ça, c'est ça l'essence. Les rapporteurs, bah, même Isamo ya Songi Songi. Ce sont des gens qui provoquent des querelles. Bah, zali, bato, oyo, bah, les kakana, ko, potisa, ko, swana. Et la Bible dit, ils peuvent diviser les amis. Et puis, les gens, la proverbe, bah, ko, ki, ka, ko, ka, bo, la, bah, ninga. C'est pourquoi il faut avoir la tempérance même quand on t'amène un problème. Que nous lisions d'abord cette écriture là. J'avais donné ça le mardi, mais je ne l'avais pas lu. Proverbe, je crois, chapitre 25. On dit faute de bois, le feu s'éteint. Et que Bakoni, le verset 20. Proverbe 26, verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Suivez-moi très bien ici. Les enseignements que nous tenons, et que c'est vraiment pratique. Et dans les plaisirs, il y a que ça de la paix. Ces derniers temps, nous ne sommes pas dans les ailes. Nous sommes vraiment comme l'Autriche, nous sommes sur la terre. Autriche, quoi que nous savons aussi voler par la grâce de Dieu. Mais nous parlons des choses pratiques de la vie chrétienne. Ce sont des choses qui nous ont rattrapés. Pour avoir allé trop vite en besogne. Maintenant, nous, on veut d'abord parler de ça. Amen. Verset 20, nous lisons au nom de Jésus-Christ. On dit faute de bois. Le feu s'éteint. Amen. Vous voyez, quand il y a le bois, on allume le feu. Voyez du feu parce qu'il y a du bois. Maintenant, pour alimenter toujours ce feu-là, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute toujours les bois. On ajoute toujours les pour maintenir le feu. Maintenant, on veut expliquer ça. Et quand il n'y a point de rapporteurs, la querelle s'apaise. Alors voilà, moto, on a besoin de soi-même, allez,
Dans l'église de Dieu,
on tacle la porteur. On le suit. Toi, tu es la porteur. Non. On le suit, on le traque pour le chasser. On le poursuit pour le chasser. Parce que l'église doit être en paix. Oui, l'église est en paix. On veut l'église être en paix. L'église n'a jamais été en paix. On ne doit pas être ici. Le frère Jackson ne parle pas au frère Germain. Et le frère Jackson, parce que l'on appelle un frère Germain. Nous aussi, on laisse ça. Qui s'appelle Dozo Tikayango? On laisse ça, vous voyez. Dozo Tikayango, Moni. Deux sœurs ne se parlent pas. Vous essayez de les réconcilier, mais c'est très difficile. Et que bon, mettre à Koyo, quand il s'en va, quand c'est donc comme à la passe. Elle n'écoute pas. Pas au Yoko, elle les laisse comme ça. Père, la tête de ma robe. Non. Ça se fait pas comme ça. Et ça, la maman, bon, ok. La Bible est ici, il y a indifférent. Et puis, dans la promesse, ceux qui m'accambo, les amis, vous allez monter vers les juges. Et que beaucoup qui ne dépendent à la somme ici. Vous allez monter vers. Lance les anciens. Ou vers les sacrificateurs en fonction. Il va vous donner des solutions. À côté, Sabino Biano. Il va vous recommander ce que vous devez faire. À côté, Sabino Milongo, Seigneur. Si vous n'écoutez pas ce que les sacrificateurs en fonction vous accueillent. Et que ceux qui vous alors vous serez béni de mort. Et que ma bino. C'est ça. Yango. Deutéronome chapitre 17. Okanda yakobande la mibeko. Okapona zomi na sango. Deutéronome 17. Le verset 8. Molongo ya mwambe. Si il, je lis au nom de Jésus-Christ. Asani na komona Yesu Kristo. Si une cause relative à un meurtre. Ce qui est dans la kambo na o etali obomatoli wa. A un différent. Na o ezali na makambo ya kobenda na kwa kuswa. A une blessure. Te paraît trop difficile à juger. Et passe pour la consommation yango. Et fournit matière à contestation dans tes portes. Tu t'élèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Et que yo côté le tu iras vers les sacrificateurs, les lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de Dieu. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Mano, jugement, verdict, décision, basu, nalikambo. Amen. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront. Yo koleka na kotosa na oyo ye akoloba na bino, akoloba na bino. Dans les lieux que choisira l'Éternel. Na esika oyo Yahweh akoleka na kopona. Et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Yo koleka na kokeba na kosalela na nyonso oyo ye akoleka na koloba na bino. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront. Yo koleka na kotosa na mobeko oyo ye akoleka na kotangi na bino. Et à la sentence qu'ils auront prononcé. Bena et tumbu oyo ye akoleka na koloba. Et tumbu te donne décision à l'ikambo bazuan. Amen. Tu ne te détourneras point de ce qu'ils te diront. Et que yo koleka na kopo mwana na oyo ye akoleka na koloba na yo. Okolongwa te na maloba wana ni à droite ni à gauche. Okokende ata na loboko ya mwasi to ya mobali te. Mais écoutez la sentence. Siko yo kasi yo décision. Moto. Qui? Oyo nan? Par orgueil. Na lolé donaye. N'écoutera pas les sacrificateurs placés là pour servir l'Éternel. A koto sanganganzambe oya tiami wana te pona kosale la Yahweh. Pour servir l'Éternel ton Dieu. Pona kosale la Yahweh nzambe la yo. N'écoutera pas les juges. Oya koyoka musambi cité. Cet homme là sera puni de mort. Et que moto wana akokata metumbu ya yoa. Tu ôteras ainsi le mal du milieu. Israël. Afin que tout le peuple entende et craigne.
craignent et qu'ils ne se livrent plus à l'orgueil. Amen. Quand il y a un problème, frère, vous montez vers les juges. Aujourd'hui, les juges, les sacrificateurs, les lévites, tous ces gens-là, aujourd'hui, ce sont les ministres de la parole. Il y a un problème. Le frère Maïs Eliou te dit, non, la parole dit, c'est que tu dois faire ça. Le frère Maïs Eliou te dit, non, tu dois faire ça. Quand tu t'obstines, ils ont dit ça, ils ont fait ça. Oh, bah le pipo est basali boy. Donc si tu prends ça, il y a posé un gros caca bongo. Sans discerner même que ça c'est un parole des rapporteurs. Alors tu vas commettre beaucoup de fautes. Ndena kongo okosala ba mbeba ebele. Parce que tu as manqué la dans ta vie. La vie chrétienne aussi, frère. C'est un combat. C'est pourquoi on a parlé de la tempérance en forme de miraille de la ville. On dit celui qui n'est pas maître de lui-même. Il est comme une ville forcée et sans miraille. On lit toujours le livre des Proverbes. Ces derniers temps, vraiment, Proverbe, c'est notre ami. On n'est pas pressé à interpréter là-bas. Ok. Hein? Oh non, ici, c'est Jésus. Voyez la ville là, attends. Non. Ah, Ngumba, c'est là. Et ça. Jérémie a dit, je te fais une ville forte. Non, frère. On n'interprète pas. Non, j'ai dit, nous, on n'interprète pas. On prend seulement tel que ça y est. Proverbe 27, verset 28. Comme une ville forcée et sans miraille. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Si tu n'es pas maître de toi-même, tu es tout le temps en colère. La Bible dit que tu es une ville sans miracle. Cela veut dire que tous les ennemis qui te combattront, ils n'auront pas fait un grand travail pour te combattre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que toi tu es une ville sans miracle. Il y a par exemple un sorcier qui veut t'envoûter. Il ne va pas faire d'efforts. Il suffit seulement qu'il te crée un problème. Il sait que tu vas te fâcher. Quand tu vas te fâcher, tu vas faire des dégâts. Et quand tu vas faire des dégâts, lui va rentrer. Ça sera toujours comme ça dans ta vie. Tu vois toujours des choses dans ta vie, ça ne tient pas. Ce n'est pas un problème de prière. C'est un problème de tempérance. Tu n'es pas une vie clôturée. Amen. On dit c'est lui qui n'a pas la il est comme une ville sans miracle. Ce n'est pas que tu es
caché d'une personne qui se fâche facilement. Et ça m'a monté, oye, banalokola moto asilika kasilika kapa pamba. Oh, sœur yoyo. On dit sœur yoyo. Ah, de quoi yoyo? Ah, si elle se fâche, 6 mois, vous n'allez pas vous parler. C'est ça, siliki. A kanye le kanda, 6 mois pour vous parler. Vraiment 6 mois? 6 mois. De colère. La kanda. 6 mois de colère. Quand on a pété les yeux, il s'agit de 6 mois. Eh, qu'on reste aussi comme ça. Eh, toi tu canada d'abord. On va se parler seulement là-bas à la tombe. Eh, toi qu'on se roule la tête à la on dit tu es une ville exposée, frère. Vous allez un gumba pété, ouais, Zalim, vous êtes dans les camas. Les sorciers entreront comme ils veulent. Eh, bando qui va pourquoi t'en as tango, bando balingi. Parce que tu n'as pas de miracle. Ouais, t'es aux amis bitoutou. Tu te fâches facilement. Aussi les cacas n'a pété. On dit celui qui a la maîtrise de soi. Alors avec le moto, oh Azali n'a commis kanga. Il est plus qu'un chef de guerre. Allez qui attaque comme mon cousin Bitumba. Il est plus que celui qui prend des villes. Allez qui attaque comme moto, oh la moto la Kabingumba. Regardez là où Dieu met la force. Dans les pays où Pinzamba zoti à ma case. Dans la tempérance. La cacas n'a commis kanga. C'est un élément même très important pour les combats spirituels. Vous allez voir les parents. Beaucoup plus ce sont des parents qui succombent à ça. Vous allez voir, il est en prière. Mais le diable dérange les enfants. On a de comprendre que c'est le diable. Qui veut qu'il puisse emporter. Non, qu'il puisse emporter. Non, lui se laisse. Il se fâche ce jour-là à la maison. Pourquoi? Parce que les diables savaient que c'est une vie sans miracle. C'est pourquoi on dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est la colère de Dieu qui accomplit sa propre justice. Quand Dieu va se mettre en colère, c'est toujours pour accomplir sa parole. Mais quand l'homme se met en colère, c'est pour le péché. Dieu parent. Mais Dieu brutal. Aux amis pendant moto ya kanda kanda makas. Et pourquoi qu'il dit à ses enfants, moi j'attaque les enfants comme les serpents. Ah, tata zolo bana bana kenga na bête kabana lokola nyoka. Hein, c'est comme j'avais entendu un papa qui disait, moi je tape comme un serpent. Ah, na ba ki papa moka zolo bana bête kabana lokola nyoka. Ça c'est ce que vous semez dans les enfants. Ah, nande loko nino zolo na nakati na bana. Plus tard, ah, Namikole Koyaka, tu voudras récolter l'amour chez les enfants. Et que Yokolina ose soubolir le pain à ban. C'est ce qui arrive souvent. Hein? Les papas deviennent jaloux des mamans. Et que Tata a bandu Kozanazou et pain à maman. Il dit c'est pas avec les enfants, toi avec les yo, enfants. Yo, Kamamika Kanaban, Nayo, Yabasi, Amibal. C'est parce que maman avait semé l'amour dans les enfants. Ouais, que maman alors là qui faisait bolingo la tête n'a pas. Quand il y a un problème, ça tu dis comme les l'enfant ne va pas chez son père parce qu'il sait que papa va s'éclater. On a côté de peine à tata de quoi tu avais tes tata si tu as ta matasse. Il va aller chez maman. À côté de peine à maman. Vous voyez ce qui se passe là? Au moins là c'est ça. Maman est en train de semer l'amour. Et que maman alors on a des bolingo et peine à moi. Et que maman va récolter ça. Maman a beaucoup kayango. Mais on va aimer papa parce qu'il est notre papa. Ah, papa linda, papa, 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 papa n'a jamais tenu dialogue avec les enfants. Ah, papa a solo la canaba n'a été. On dit, ah non, vous voulez amener l'éducation des blancs. Ah, ouais, non, bon, il dit, comme ma, le lègue a compris que la mindele. Nous, en Afrique, on tape les enfants sérieusement. C'est l'éducation. Peut-être qu'à pendant pas, mais à l'éducation. C'est pourquoi dans beaucoup de familles africaines, les enfants sont toujours avec leur maman. Même les garçons. Il y a quelqu'un qui me disait, il est garçon là qui est toujours avec son père. Et toi, je te vois toujours avec ta maman. Non, ce n'est pas ça, c'est ce que maman fait. Ah, c'est ça, bon, c'est ça, 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 c'est
Pendant ce temps-là, tu étais brutal. Et Satan a profité dans beaucoup de choses dans les familles. C'est bien de payer les études des enfants, de les Ali malamu kotangi sabana, mais montrer aussi aux enfants la douceur. Talisa bana popolo. Montrer aux enfants la douceur. Talisa bana popolo. Donc le fait de montrer aux enfants la douceur, c'est aussi une très bonne chose. Et na kotangisa bana popolo, et Ali pelo comme moi ya motuya. Ce n'est pas être faible, mais c'est les gagner. Les gagner. Na kotangisa la botaute, je ne peux pas colonga bango. Quitter ça, ces choses-là. Je n'ai pas dit qu'il faut épargner les enfants la verge, non. Même les mamans tapent aussi les enfants. Mais pourquoi les enfants les aiment plus? C'est plus l'amour qu'ils ont saigné. Mais le papa, tata. Pas, on ne joue pas. Il faut avoir des enfants qui sont fiers de confier leurs problèmes. Ah, et Seigneur, il faut que papa. Ah, et tu confies ses problèmes. Il dit l'amour bannit la crainte. Vous allez voir trop de problèmes dans les familles. Au le premier problème, c'est papa, il se fâche beaucoup. Et là, par exemple, c'est que tata a s'il kakami. Je parle de papa parce que c'est elle qui se fâche beaucoup. La zone de la batata pour être naïve, c'est batata a s'il kakami. Il répond de trop de climats malsains dans la famille. Et que par les papeta, n'a pas de sapeta, le légume au coin à malam, c'est la zone d'argent. Si ces jours-là, ils n'ont pas d'argent. Si vous voyez seulement la fois passer trois fois. Il commence à soupçonner la fois, c'est comme si c'est lui. C'est comme si c'est lui qui fait ces choses. À la maison, vous vous disiez, Insécurité. Et que pour ça, on a combattu de la main. Là, vous commencez. Là, les enfants commencent à désirer que papa voyage. Ah, ouais, là-bas, on va pas mieux que c'est la vie de papa Ben Moukamobé. Papa Ben Moukamobé. C'est pas bien. Et là, madame, vous êtes. Si vous n'avez pas la tempérance, frère. Vous
vous allez demander le divorce dans 6 mois. Et que vous pouvez maintenant vous cabouiller, parce que ma santé est tombée. Parce que c'est deux esprits différents. Ouais, que Eda, Mili, Momi, Balé et Kesseni. Deux personnes provenant de familles différentes. Atomi, Balé, O, Bauti, Namapota, Pé, Kesseni. Même si vous avez le même évangile, mais ce n'est pas le même esprit. Et attends, vous avez un sang, madame, Momo, parce que vous avez un molim, Momo, côté. Si vous n'avez pas la tempérance, soyez-vous, vous avez un comique. Vous n'allez pas commencer même à prier à la maison. Ah, écoutez ce que Pierre dit. Yoka oyo Pierre a dit. Ayez de la sagesse dans vos relations avec vos femmes. Parce que vos femmes sont des gens très délicates, des ex plus fermes. Il dit si vous ne veillez pas à ça. Vous allez faire obstacle à vos prières. Et regardez ce que la Bible poursuit. Dans la Bible, Zolanda. L'accord, l'harmonie, là, pour qu'il n'y ait pas obstacle à la prière. Mais si vous n'avez pas la tempérance. Vous n'avez pas l'esprit de supporter. Et que vous n'allez pas commencer à prier. C'est pourquoi il y a des familles très froides. Papa et maman se disputent tous les jours. Et que papa et maman et les enfants même sont mal à l'aise. Et il y en a même d'autres qui commencent à s'insulter. Vraiment c'est déplorable. Pourquoi? Manque de tempérance. C'est un élément très important. Il s'agit du miracle. Si tu es sécurisé. Et que ceux qui ont dit na yango au bâti la mi malade. Le problème peut venir comme ça. Tu cambo boy boy boy. Directement tu te maîtrises. Même balamon. Je connais. Hey, il était dans ce temps-là dans les groupes de prière. Et que la dame wana zraïti na lisana varosa. Vers les années 2001-2002. Il était en prière en train de jeûner. Il n'avait pas d'argent. Il cherchait l'argent. Merci. Mais on est venu lui raconter. Il était en pleine prière. Na zraïti pendant la carte y a ma bonne déli. On l'appelle. Venez d'abord dehors. Yeah, on dit ton enfant jouait. Il y avait une maman qui arrangeait les biberons de son enfant là-bas. Avec et puis seulement comme ça, elle a jeté ce tout là dans la cour de la parcelle. Et pour elle, il n'y avait pas d'enfant là-bas, mais ton enfant était là. La minute où je te parle, ton enfant est à l'hôpital. Toute la peau du dos ici n'est plus, il était attaché aux vêtements qu'il avait. Et il était en prière. Il a dit au frère, au grand frère de cet enfant-là, rentre à la main. Et retourner. Il arrête la prière, il retourne. Et même lorsqu'il est arrivé là-bas, il a regardé la situation. Il a dit ça c'est le diable. Il a dit continuer avec ça. Moi je vais m'occuper d'abord que je termine la prière que je faisais. Il est allé chez les parents parce qu'ils étaient enfermés. C'était des locataires. C'était vraiment grave. À ce temps-là, la maman de l'enfant s'est lavée. Il est allé chez
sur le locataire, il leur a dit, ne vous inquiétez pas. A deux peines à foutre, il y a le pain, on a été dans le monde, on a été dans le monde. Le Seigneur va faire grâce, l'enfant va s'en sortir. Ah, pour la cause à l'angolo, moi, n'a pas de mal. C'est ça un chrétien. Yamonde, cause à la Christ. Tu ne nous attends pas beaucoup de révélations sans être. Non! Les parents, avec les enfants, la tempérance. Je ne sais pas pourquoi j'y vais seulement là-bas. Mais toutes les façons, ce sont des familles aussi qui sont ici. Hein? Ah, attends, si le diable va envahir nos maisons, on n'aura pas les options que nous cherchons. Imaginons que toutes nos maisons ici soient des villes sans miracles. Toutes les maisons ici soient des villes sans miracles. Cela veut dire que les ennemis vont manger nos récoltes, ils vont manger tout ce qui est dans notre maison. Ah, c'est pourquoi vous allez remarquer dans nos maisons, plus, qu'est-ce que ça règle? Toujours des choses inutiles. Il n'y a pas la prière. Il n'y a pas de concentration. Nous venons seulement à l'église et nous rentrons. Mais aujourd'hui, Dieu te donne une stratégie. Il te donne une solution. La tempérance. C'est un miracle. Comme ça, on t'engueule par les patrons. Mon frère, reste calme d'abord. Observe. Non, tu ne sais pas te justifier. Non. Un chrétien, c'est un agneau. Et que mon fils soit dans la capenda, moi, n'a pas de thé. Tu sais, on tombe en bananini. Tu n'es pas appelé à ça. On peut aussi te blâmer au travail pour rien. Tu subis des injustices. Mais injustice. Mais on voit seulement que tu es tempérant. C'est des gens. C'est ce genre de chrétien-là que Dieu veut. Le Christ modèle, on a des agneaux de bouc. Dieu, ça veut. Il n'est pas des chrétiens qui sont de bouc. Il crie à tout moment. Injustice. Surtout nous les serviteurs de Dieu. C'est ce qu'on doit plus cultiver. Si vous remarquez même Paul, il a trop subi l'injustice. Mais c'est recommandé toujours à Dieu. Il reste calme. Ça ne l'emportait pas pour qu'il fasse quoi que ce soit. Dans les emportements, non. Une autre forme de tempérance aussi, c'est dans les passions. Ma passion, ma poussée à ma casse. Amen. Ah. C'est Dieu. Ce qu'ils avaient, il vient te trouver. Aïe, beaucoup d'ailleurs. Wouah! Frère, nous partons, tu restes. Ils sont au Kéi, yo, Tikali. Nous partons, tu restes, frère. Merci. Merci. Là, tu vas plus loin. Bisous, amour, t'as bien de Jésus. Bien de Jésus, frère. Les passions. C'est une chose qu'on arrête quand on a la tempérance. Mardi, arrive beaucoup.
C'est quoi les Européens vont jouer? Les Européens vont jouer. On t'ajoute quoi? Pourquoi tu es trop zélé pour ça? Exerce-toi à la piété. Quand tu veux pas voir une fille passer. Tu dois vraiment regarder. Manque de turbulence. Manque de turbulence. C'est la convoitise. Et lui, de manière de fuir la convoitise, c'est la tempérance. Ces choses sont en vous. Et ils sont en abondance. Alors le Seigneur va vous donner son royaume. Tu dois te forcer pour ça. Et Seigneur, il sali sa makasi pour la dina na yango. Des colères makanda milai. Paul dit. Paul a dit. Si tu te mets en colère, et que ce qui aux Ukanda, que le soleil ne veut pas se coucher sur ta colère, il dit ça dans Ephésiens combien pour terminer? Ephésiens chapitre 4. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas à au diable. C'est ce que la colère a tendance à faire. À donner accès au diable. C'est pourquoi on dit celui qui n'a pas la maîtrise de soi est une ville sans miracle. Le diable entre quand il veut, comme il veut. Que le soleil ne se couche pas. Quand le soleil se couche, c'est les ténèbres qui entrent. C'est le péché. C'est le péché. Tu veux entendre le péché. C'est pourquoi il dit dans Colossiens 3:8. Renoncez à la colère. Qu'on puisse trouver en toi la tempérance. Parce que tu es venu chercher le ciel et voilà les chemins. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas le ciel. Tu n'entreras pas. Quand vous voyez un frère qui est prêt à combattre, qui est prêt, il n'a pas la tempérance. Amen. Ah. Il n'a pas la tempérance. Il doit travailler sa vie la tempérance. C'est ça les vertus qui sont en Christ. C'est ce que ta foi doit produire. Tu dois désirer qu'en aucun jour, on puisse écouter ton nom dans les disputes. Qu'est-ce que ça soit ici à l'église? Qu'est-ce que ça soit même en dehors de l'église? Tu n'es jamais dans l'esprit. Habitue ta vie à regarder aussi les choses passivement. Habitue ta vie à ça, regarder les choses passivement. Tu vas voir que la tempérance va commencer à s'augmenter. Tu regardes vraiment que ça m'intéresse pas. Je passe. Tu verras. Ah bon, moi, et Seigneur, il te même moi-même.
Dieu m'a beaucoup instruit par rapport à la tempérance. Je commence à beaucoup désirer de vivre les choses que je prêche. Je commence à penser une bonne chose. La tempérance. Même quand on dit c'est lui qui parle beaucoup. Pas à pécher. Je mettrais un frein dans ma bouche. Mais que Dieu te donne les freins au nom de Jésus-Christ. L'indiscrétion dans des choses. Non, l'indiscrétion. Oui, n'a pas bon pas ma parole. Indiscrétion. Kozanga sekele. Ah, Kozanga sekele. Tu parles toujours. Tu parles. Tu as un projet. Quand on a un projet, d'abord, on le partage avec les ministres. Les ministres vont t'orienter. Et tout tu vas, tu seras dans la prière. Tu t'étais. Mais tu es toujours là, tu parles. Projet. Je vois ça. C'est le manque aussi de tempérance. Satan va profiter et puis va te combattre. Que le Seigneur te donne les freins au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne la tempérance en abondance au nom de Jésus-Christ. Que là où il n'y avait pas la miraille dans ta vie, qui puisse y avoir au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour